Jó estét kívánunk mindenkinek a Musée Félicien Robsból. Ce projet est né vraiment d'un rapprochement entre la Galerie nationale hongroise et le Musée Félicien Robs, mais aussi parce que Félicien Robs parlait de Zichy dans une des lettres en disant qu'il avait rencontré beaucoup de gens à Paris, mais qu'une des seules amitiés qu'il avait eues réelles là-bas, c'était Zichy. Donc probablement en l'ayant rencontré dans les salons parisiens. Malgré qu'ils étaient des amis, il n'y avait pas vraiment une relation artistique entre eux. Donc on s'est décidé finalement de faire un échange, une exposition Robs à Budapest dans la Galerie nationale hongroise et faire une exposition de Zichy ici à Namur. Et c'était l'époque là quand on a fait une petite recherche autour de Doré aussi. Et quand Madame Véronique Carpio est venue à Budapest, elle a visité l'expo, elle a dit c'est ce qu'il faudrait faire parce que Zichy est presque inconnu ici à Namur. Il faudrait qu'on fasse une exposition autour de la relation artistique de Doré et Zichy parce que Doré est très connu partout au monde francophone. Doré voulait devenir célèbre comme peintre, mais finalement lui il est devenu célèbre partout au monde entier à cause de ses grâce à ses illustrations de Milton, de Dante, de la Bible. Et Zichy a vécu presque la même époque, ils ont été tous les deux les artistes du romantique tardif, et lui aussi il voulait devenir peintre. Mais finalement, il est devenu très très connu comme illustrateur de la littérature russe, géorgienne et hongroise. On a voulu créer au musée une activité un peu plus festive que les conférences ou des visites guidées classiques ou des ateliers pédagogiques plus courants. Et donc on a eu cette idée de créer un concept de soirée autour de deux cultures. Nous avions également un musicien, un conteur qui a animé la soirée, qui a entraîné les enfants dans les salles pour leur raconter un conte hongrois. Et puis un quatuor également qui va jouer des xardas et des musiques traditionnelles hongroises. Félicien Robs sera en Hongrie de septembre à décembre 2010 pour une grande exposition rétrospective qui va se dérouler dans le cadre de la présidence belge au Conseil de l'Union européenne. Et c'est vraiment une façon pour nous de rendre hommage au voyage que Robs a fait, qui était vraiment un voyage mythique pour lui, puisqu'il a rencontré l'âme hongroise dans les années 70, il est parti avec une délégation belge, et il était censé faire des articles qui devaient paraître dans le Figaro, qui comptaient appeler des Robsodies hongroises. Et il était tellement passionné par l'âme de la Hongrie, par le chant des tziganes, par les femmes hongroises, qu'il s'est dit, une fois rentré en Belgique et à Paris, il s'est dit petit-fils de Hongrois. Et donc les premiers biographes de Félicien Robs se sont trompés en disant que Félicien Robs était de nationalité hongroise, et il s'était d'ailleurs lui-même rebaptisé Féli Robsi pour faire croire en fait à tout le monde qu'il était hongrois. Donc c'est un bel hommage qu'on va rendre à l'artiste. Il est vraiment spécial parce qu'il il avait l'esprit de fin de siècle, l'esprit de symbolisme qui n'existait pas en Hongrie. Donc ça sera, je pense, assez intéressant pour la public hongroise. Et aussi, bien sûr, on va essayer de montrer les relations entre Robs, Zichy et les autres Hongrois en montrant quand même les liens pour qu'ils puissent être introduits en Hongrie.